הדוברת הבאה שלנו תשוחח איתנו גם כן דרך הזום. דוקטור מריאן גז, היא סיימה את כתיבת הדוקטורט אצל פרופסור ורמן בסורבון בשנת 2021 על יהודי טוניסיה הצרפתים בצבא הצרפתי במלחמות העולם. העבודה אמורה להתפרסם בקרוב והיא זכתה עליה במספר פרסים. נושא הרצאתה, ותסלחו לי שאני לא קורא את הכותרת בצרפתית, הגיוס המסיבי של יהודי טוניסיה לשחרור טוניסיה ולהמשך המאבק. מריאן, could you share your screen? Très bien, bon, j'y vais alors, merci. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée d'études à laquelle je ne peux participer qu'à distance, malheureusement, pour des raisons professionnelles. Mon intervention est donc issue du dernier chapitre de ma thèse qui a reconstitué les profils et les parcours de plus de 1200 soldats juifs de Tunisie. Ceux-ci ont combattu dans l'armée française sur deux générations, d'abord 1914-1918, puis 1939-1940, et enfin dans la résistance et les forces françaises libres. C'est ce dernier engagement que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, 80 ans après la libération de la Tunisie. Les forces françaises libres ont été constituées à l'origine par le général de Gaulle, exilé à Londres en juin 1940, alors que le maréchal Pétain signait l'armistice et que le nord de la France était occupé par les nazis. Nous allons donc nous intéresser à ces hommes qui participèrent à la libération de la Tunisie, puis poursuivirent le combat jusqu'à entrer, pour certains, dans le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. J'ai qualifié dans mon intervention cet engagement de massif, car j'ai pu confirmer et même renforcer un constat déjà fait par deux historiens spécialistes du sujet. Il s'agit de Crémieux-Briac, qui affirmait qu'il y avait au sein des FFL, globalement, une surreprésentation saisissante des Juifs de toute nationalité. Et Jean-François Muratiol parlait à son tour d'un niveau record d'engagement. Cette fois, il évoquait spécifiquement les Juifs de Tunisie et il comptait alors un engagé pour 55 adultes masculins. Ma recherche, qui a étoffé la liste sur laquelle Jean-François Muratiol avait travaillé, aboutit à un niveau encore plus important d'un engagé pour 46 adultes masculins. Sur les 507 dossiers que nous avons pu documenter, certains concernent des engagés dès l'automne 1940, mais 89% des dossiers que j'ai pu consulter ou que j'ai pu documenter concernent les engagements contractés après le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc, débarquement appelé l'opération Torch. Lors de ce débarquement, les Alliés doivent d'abord combattre l'armée coloniale française, appelée l'armée d'Afrique, qui était restée fidèle à Vichy. Mais à la fin de l'année 1942, elle finit par se rallier aux Anglo-Américains. Et il faut comprendre que jusqu'en juillet 1943, l'armée d'Afrique et les forces françaises libres restent rivales et l'amalgame en une seule armée française ne se fait que difficilement à partir du 31 juillet 1943. C'est bien dans les forces françaises libres que les Juifs de Tunisie s'engagent massivement. Donc c'est bien dans les forces françaises libres que les Juifs de Tunisie s'engagent massivement et non dans l'armée d'Afrique dont les officiers ont été si longtemps fidèles à Pétain. Nous avons donc pu documenter un engagement massif des Juifs de Tunisie dans les forces françaises libres entre novembre 1942 et l'été 1943. Une fois ce constat établi, il faut essayer de comprendre pourquoi un tel engagement, qui étaient ces hommes et quels furent leurs parcours. Nous allons tenter de répondre à ces questions en suivant trois temps. D'abord, avec un bref rappel de la méthode que j'ai suivie et des sources utilisées. Puis, j'envisagerai la période de la campagne de Tunisie, de novembre 1942 à mai 1943. Et enfin, j'évoquerai les combats qui se poursuivent après mai 1943 en Europe jusqu'en 1945, combats auxquels ont participé les Juifs de Tunisie. Alors, quelle méthode et quelles sources pour retrouver ces parcours ?
J'ai retrouvé les profils de ces hommes en partant de leur nom de famille et grâce aux travaux de Jacques Taïeb et Paul Sebag qui ont fourni une liste des noms des patronymes juifs tunisiens. Ensuite, il a fallu confirmer qu'il s'agissait bien d'hommes appartenant au groupe des Juifs de Tunisie, notamment par le biais des prénoms hébraïques et européens. Et je voulais m'assurer qu'ils étaient nés en Tunisie, qu'ils avaient vécu la période de l'entre-deux-guerres et de la guerre en Tunisie. Les archives des engagés volontaires dans les forces françaises libres se trouvent au service historique de la Défense, à Vincennes, près de Paris. Nous avons trouvé parmi les 600 000 dossiers archivés à la cote GR7P, 507 dossiers concernant donc des Juifs de Tunisie, qu'ils soient de nationalité française, tunisienne ou pour quelques-uns italiens. Toutefois, la nationalité est rarement écrite explicitement dans les documents, car dans les forces françaises libres, considérées comme rebelles par Pétain, il n'y a plus de loi spécifique en fonction de la nationalité. Les FFL sont justement attractives. Je ne vois plus mon PowerPoint. Oui, ah, super, merci. Si on peut revenir un petit peu avant. Une ou deux diapositives avant, je n'ai pas encore commencé en fait à utiliser mon PowerPoint. Les FFL sont attractives parce que justement elles attirent, elles sont ouvertes à tous les. On peut être encore sur le titre de mon sujet, pardon. Elles sont ouvertes aux juifs de toutes les nationalités, car il faut rappeler que prendre les armes pour un juif de Tunisie demande une véritable démarche d'engagement volontaire. En 1914, la majorité des Juifs de Tunisie étaient sujets du Bey et non français comme leurs coreligionnaires algériens. Ils n'étaient donc pas mobilisables et ceux qui voulaient s'engager devaient déjà faire une démarche d'engagement volontaire. Les sujets du Bey sont héritiers du statut de Dhimmi qui les exclut de l'armée. En septembre 1939, de la même façon, même s'il y a un peu plus de Juifs de Tunisie qui sont devenus français, la majorité est tunisienne et donc n'est pas mobilisable. Ils doivent donc s'engager volontairement. Et pour les Italiens, de toute façon, depuis les lois racistes de 1938, les Juifs italiens sont déjà exclus de l'armée. En novembre 1940, le statut des Juifs est promulgué en Tunisie et l'exclusion de l'armée se porte ainsi désormais sur tous les Juifs, tunisiens, français ou italiens. Mais en novembre 1942, la situation change. Si on pouvait mettre la carte qui a deux diapositives avant pour qu'on voit la situation. Encore une avant. En novembre 1942, la situation change. Avant. C'est la deuxième diapositive normalement du PowerPoint. Merci beaucoup, merci, très bien. Donc en novembre 1942, la situation change. Les combats sont relancés avec l'opération Torch à l'ouest et la poussée des troupes britanniques de Montgomery appuyées sur les FFL depuis la Libye à l'est. Plusieurs options s'offrent alors à la jeunesse juive de Tunisie. Soit rester spectateur de cette guerre, puisque les différentes lois leur refusent le droit de porter les armes, soit attendre un éventuel ordre de mobilisation. L'armée d'Afrique dirigée par Giraud, vichiste, mais désormais ralliée aux Américains, se reconstitue et remobilise contre l'Axe. Et les représentants de la communauté juive de Tunisie demandent la mobilisation générale des Juifs, qu'ils soient d'ailleurs tunisiens ou français. Mais comme en 1914 et en 1939, les lettres de la communauté juive adressées aux chefs politiques et militaires ont peu d'effet. La communauté juive est remerciée pour sa loyauté, mais aucune mobilisation n'est organisée. Il ne reste donc que l'option de l'engagement volontaire pour ceux qui veulent combattre dans les forces françaises libres. On peut suivre et documenter les parcours de ces engagés volontaires, donc grâce au dossier archivé à Vincennes. On y trouve des informations diversifiées. Certains ne comptent qu'une feuille, l'acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. D'autres dossiers sont beaucoup plus riches et comptent. Oui, c'était celle-ci, merci.
D'autres dossiers, donc au minimum, on trouve ceci. D'autres dossiers sont beaucoup plus riches et comptent jusqu'à une trentaine de documents. Cela dépend souvent du fait que le dossier a été enrichi au fur et à mesure et a posteriori, avec une demande de pension, de médaille, de bonification, pour la retraite. Les engagés qui sont morts au combat n'ont souvent qu'un maigre dossier, ce qui ne veut pas dire que leur parcours n'ait pas été glorieux. Nous devons donc faire très attention à cette source et la croiser, la compléter avec d'autres sources, archives privées, presse et témoignages d'enfants d'engagés volontaires. Alors, qu'est-ce que cet engagement entre novembre 1942 et mai 1943? Alors que les forces de l'Axe donc envahissent une partie de la Tunisie en réponse à l'opération Torche, plusieurs centaines de Juifs de Tunisie souhaitent déjà prendre les armes et participer aux côtés des Anglo-Américains et des forces françaises libres au combat. D'ailleurs, dans les rangs des forces françaises libres qui arrivent par la Libye, ils retrouvent des coreligionnaires tunisiens déjà engagés dès 1941. Ils ont certainement été motivés en retrouvant ces coreligionnaires. On peut prendre l'exemple de la fratrie Cohen, qui sont tous de nationalité tunisienne. Le plus jeune est Albert Cohen, il est né à Amamelif en 1917. Il était déjà engagé volontaire en 1939 et il avait combattu en Syrie en 1939-40. Il s'est trouvé encore en 1941 lorsqu'il s'engage dans les forces françaises libres. Il a fait la campagne d'Égypte, de Libye, campagne d'Égypte, il a combattu notamment à El Alamein, puis donc Libye, puis Tunisie. Et il a retrouvé ses frères en Tunisie. Il a aussi continué le combat d'ailleurs, ce jeune frère, Albert Cohen, en mai 1943. Il est parti en France et il a combattu jusqu'en Alsace. Son frère Jacques Cohen, plus âgé de 6 ans, s'est engagé en juin 1943 à Sousse. Il a rejoint la 2e division blindée du général Leclerc, avec laquelle il a gagné l'Angleterre, débarqué en Normandie en août 1944 et combattu jusqu'au Rhin. Il est démobilisé en avril 1945. Et le troisième frère, Joseph Cohen, l'aîné, s'est aussi engagé volontairement en 1939. Démobilisé, il avait rejoint la Tunisie, où il avait subi le statut des Juifs. Et lorsque l'Axe s'était installé en Tunisie, il avait été astreint au travail forcé dont on a déjà parlé dans plusieurs communications. Il avait été libéré grâce à l'avancée des Alliés et des FFL et il avait rejoint la 1ère division française libre en juillet 1943 à Kairouan. On voit par l'exemple de cette fratrie que les rythmes d'engagement ne sont pas les mêmes, mais on peut émettre l'hypothèse de l'existence d'un phénomène d'entraînement et d'une motivation commune, lutter contre le fascisme et le nazisme. Autre type de parcours, dès novembre 1942, certains passent la frontière vers l'Algérie pour s'engager dans les corps francs d'Afrique. Nous disposons de 31 exemples. Les corps francs d'Afrique ne sont pas un corps des forces françaises libres, ni réellement un corps de l'armée d'Afrique. C'est un corps qui a été créé le 23 novembre 1942 par Giraud, chef de l'armée d'Afrique, pour tous ceux qui refusent d'intégrer cette armée d'Afrique anciennement vichiste. On y retrouve donc des juifs, des communistes et des républicains espagnols. Le corps franc d'Afrique s'est illustré dès janvier-février 1943 lors de la libération de la Tunisie, si vous voulez bien montrer la diapositive suivante. Qui est une carte issue des archives nationales britanniques. Merci. Donc, on voit que le corps franc d'Afrique s'illustre dans le nord de la Tunisie avec l'armée d'Afrique et avec les troupes anglo-américaines. Ce sont les premiers combats que l'armée française mène contre l'Axe depuis l'armistice de juin 1940. La plupart des engagés au corps franc d'Afrique rejoignent ensuite la 1ère division française libre ou la 2e division blindée. Ainsi, alors que la Tunisie est encore sous la botte allemande et que la communauté juive y est soumise à d'intenses persécutions, plusieurs dizaines d'hommes ont déjà repris les armes. Ils participent au miracle de la Tunisie, c'est une expression utilisée dans le journal des marches et d'opérations de la 1ère division française libre, qui compare cette campagne de Tunisie au miracle de la Marne, contre-offensive victorieuse de la France contre l'Allemagne en 1914. D'autres juifs de Tunisie saisissent l'occasion de l'entrée des forces françaises libres par le sud du pays pour s'engager, comme on le voit sur la diapositive suivante, s'il vous plaît.
En effet, au fur et à mesure de la progression des alliés, de la progression des alliés et des forces françaises libres, le recrutement s'intensifie, encouragé par la diffusion de tracts. Les images, alors on voit sur cette diapositive que la deuxième DB arrive par le sud avec l'armée de Montgomery. La première DFL est arrivée aussi par le sud de la Tunisie, mais elle n'est pas notée sur cette carte. Si on peut mettre la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. On voit donc un enthousiasme à l'arrivée des troupes franco-britanniques et les images filmées ici par les Britanniques à Kairouan montrent un enthousiasme, mais aussi on voit le port de l'étoile jaune qui avait été appliqué à Kairouan lorsque les nazis dominaient la Tunisie. C'est entre mars et juillet 1943 que nous comptons plus de 80% des engagements que nous avons pu documenter. D'abord, la motivation est de libérer la Tunisie qui est encore dominée par les nazis, et c'est chose faite en mai 1943. Pour ceux qui s'engagent après mai 1943, la motivation est désormais de participer à la libération de l'Europe. Mais avant de les suivre au-delà de la Méditerranée, je vous propose de nous arrêter sur leur profil. Qui sont-ils ? Les profils sont très divers. Ainsi, le plus jeune des engagés de notre cohorte est Isaac Bokobza, lycéen. Il est né en 1927 et il s'engage en avril 1943 à Gabès. Il a 16 ans. Il est affecté à la 1ère division française libre. Le plus âgé est Guy Silvera. Il s'engage en mai 1943 à Sfax. Il a 58 ans. Il est greffier dans la vie civile et il est nommé à la justice militaire au sein des forces françaises libres. On voit d'ores et déjà la grande diversité des profils. La moyenne d'âge des engagés volontaires est de 25 ans, avec une forte proportion de 18-20 ans. Et ce constat sur l'âge permet de renforcer l'hypothèse que ces hommes, dont beaucoup sont issus des petites communautés juives des villes du sud de la Tunisie, Sousse, Sfax, Gabès, qui comptent moins de 6000 membres, que ces gens se sont bien connus, qu'ils ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes clubs de sport, et on peut donc renforcer l'hypothèse d'un phénomène d'entraînement. Cette hypothèse est d'ailleurs validée dans le cas des fratries. J'ai déjà parlé de la fratrie Cohen. En fait, j'en compte 25 et nous pouvons citer par exemple la fratrie Attal de Tunis avec André, Claude et Georges qui s'engagent, la fratrie Valency, Victor et Alphonse, ou encore la famille Bijaoui de Sfax, Lucien, Robert et Rémi sont trois frères qui s'engagent en même temps. Tous sont âgés entre 18 et 30 ans, mais s'ils s'engagent ensemble, ils sont ensuite souvent séparés lors des combats. On constate aussi la surreprésentation des Juifs vivant dans les villes du sud de la Tunisie. Si on peut mettre la diapositive suivante, s'il vous plaît. Parce qu'en effet, la répartition des Juifs de Tunisie est la suivante. 52% des Juifs de Tunisie sont nés à Tunis, 8,3% à Sousse, 6% à Sfax. On voit... Diapositive suivante, s'il vous plaît. On voit une surreprésentation des engagés volontaires pour les villes du Sud. 42% sont certes engagés, du moins sont nés à Tunis, mais 21,8% sont nés à Sousse et 13% sont nés à Sfax. On peut expliquer cette surreprésentation des Juifs de Sousse et de Sfax par l'arrivée des FFL par le Sud. Dans chaque ville libérée, Sfax est libérée le 10 avril, 43, Sousse le 12 avril. Le général Leclerc, à la tête de la force L, qui va devenir la deuxième division blindée, met en place des bureaux de recrutement. Il est d'ailleurs alors menacé par le général Giraud, qui constate les débauchages encouragés par les forces françaises libres. Pour rejoindre les forces françaises libres, les Juifs français ont en effet dû déserter l'armée d'Afrique, qui remobilise. Et c'est là une véritable prise de risque, à un moment où l'issue des combats est totalement ignorée et où Giraud promettait la prison aux déserteurs. D'autre part, lorsque nous connaissons la profession des engagés, nous constatons une forte proportion de jeunes travaillant comme ouvriers, mécaniciens, électriciens, artisans, chauffeurs. Les recruteurs ont sans doute favorisé ces profils car les forces françaises libres recherchaient avant tout des soldats qui sachent réparer un matériel qui a été fortement sollicité pendant la campagne de Libye. Ainsi, beaucoup des engagés sont dirigés vers les ateliers et les groupes de réparation.
On compte aussi de nombreux médecins et infirmiers très précieux pour les forces françaises libres. On est très loin des constats proposés par Jean-François Muratiol, donc spécialiste des FFL. Il disait pour tous les FFL qu'il y avait un haut niveau social qui dominait avec une sous-représentation ouvrière. Et donc, ce n'est absolument pas le cas pour les engagés volontaires juifs de Tunisie, pour lesquels on constate au contraire une surreprésentation ouvrière. C'est lié à la spécificité des juifs de Tunisie, en majorité tunisiens, considérés comme des indigènes par le colonisateur et qui n'ont pas accès aux hautes sphères sociales pour la majorité d'entre eux. Autre élément de leur profil, ils avaient pour une partie d'entre eux déjà combattu en 39-40, soit comme engagés volontaires, soit comme mobilisés parce que français. C'est le cas pour 88 d'entre eux, démobilisés en 1940 et prêts à repartir combattre. On peut citer Raphaël Bessis, engagé volontaire en 1939, Croix de guerre, étoile de bronze en juin 1940, Croix du combattant volontaire, blessé pendant la campagne 39-40. Il s'engage à Sfax le 16 avril 1943 et est versé à la première DFL, première division française libre, dans laquelle d'ailleurs il est à nouveau blessé en 1944. 12 de ces engagés volontaires de 39-40 qui se réengagent en 1943 ont connu les camps de prisonniers en France, appelés les fronts de Stalag. Ils reviennent en Tunisie en 1941, reprennent le combat après l'occupation nazie. On peut citer par exemple un groupe qui s'était évadé de fronts de Stalag, de différents fronts de Stalag, et qui rejoignent la Tunisie et s'engagent à nouveau dans les forces françaises libres. Je les cite, Charles Besnénou, Léon Benatar, Charles Bijaoui, Jules Cohen, Edmond Hassan, Jean Camus et Moïse Darka. Au total, et si on peut passer à la diapositive suivante, au total, la première division française libre a recruté la majorité de ces hommes. On voit évidemment que la majorité des engagements a lieu entre février et juillet 1943, et c'est la première division française libre qui recrute la majorité de ces hommes, 55%. 35% sont recrutés dans la deuxième division française libre, 6,3% rejoignent les forces navales françaises libres et 3% les forces aériennes françaises libres. Alors, une fois que Tunis est libérée, le combat ne commence pas tout de suite. En effet, après avoir signé l'acte d'engagement, le départ n'est pas immédiat pour l'Europe. Alors que Tunis est libérée, les rivalités entre les deux armées, armée d'Afrique et forces françaises libres, se manifestent encore. Ainsi, lors du défilé de la victoire, le général de Larmina, à la tête des forces françaises libres d'Afrique, est très hostile à Giraud et il refuse que ses troupes défilent avec l'armée de Giraud. Et le 26 mai, Larmina est prié par le commandement américain de quitter Tunis pour Zouara, qui se situe en Libye près de Tripoli. La division du général Leclerc est elle aussi cantonnée en Libye à Sabratha. Ce cantonnement, lors duquel ont lieu les premiers entraînements pour les engagés volontaires, est vu comme une humiliation. Le maniement des armes s'est appris, mais loin des familles, sous un soleil écrasant et pendant près d'un an. Mais les troupes ont pourtant reçu quelques récompenses, notamment ils ont reçu la visite du général de Gaulle le 28 juin 1943, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'Eliaou Ben Aïch est cité à l'ordre de l'armée. Il reçoit une croix de guerre avec palme pour le courage dont il fit preuve lors de la bataille de Bir Hakeim en mai 1942. L'attente se poursuit donc jusqu'à l'annonce du départ en avril 1944. Les soldats de la 1ère division française libre embarquent pour l'Italie. Nous avons le parcours de 180 d'entre eux. Ils mènent la bataille de Rome, débarquent en Provence et libèrent la France. Ceux de la 2e division française libre rejoignent Mers el-Kébir et s'embarquent pour le Royaume-Uni, débarquent en Normandie en août 1944, participent à la libération de Paris, puis de Strasbourg et entrent à Berchtesgaden en Allemagne. Ils sont démobilisés en 1945 et rentrent dans une Tunisie qui est désormais en paix depuis 2 ans. Pour conclure donc, pourquoi cet engagement massif? S'engager volontairement en 1914 ou en 1939 pouvait, pour un juif de nationalité tunisienne, permettre d'accéder à la nationalité française. Mais après le statut des juifs, l'abrogation du décret Crémieux en Algérie, la déception est immense et accéder à la nationalité française n'est plus une priorité, ni d'ailleurs une possibilité. C'est donc bien désormais pour combattre le fascisme et le nazisme que ces hommes ont décidé de combattre au-delà de la Méditerranée alors que leur pays avait retrouvé la paix.
Les Juifs de Tunisie étaient très bien informés par la presse dans l'entre-deux-guerres sur la nocivité du fascisme et du nazisme. Ils avaient subi le statut des Juifs et l'occupation allemande. Ce qui en fait d'ailleurs, ce qui explique aussi l'engagement massif sans doute des Juifs de Tunisie, c'est qu'ils avaient véritablement subi l'occupation allemande, ce que n'ont pas subi les Juifs d'Algérie ou les Juifs du Maroc. Ces expériences auraient pu les abattre, les épuiser, mais elles en ont fait, en fait, elles ont, pardon, en fait, étaient à l'origine d'un sursaut massif d'engagement. Je vous remercie pour votre attention. יש לנו מקום לשתיים שלוש שאלות. Tu peux donner les chiffres, s'il vous plaît. 507 dossiers que j'ai pu documenter. Il y en avait probablement plus, mais comme je voulais être sûre qu'ils soient nés en Tunisie, je n'ai pris que les dossiers où je retrouvais le lieu de naissance. Donc il y en a probablement plus, mais j'ai documenté 507 profils. 505. שאלות? תיקים שהיא שאלות נוספות? שלום לכולם, שמי הוא בנצי כהן, אני אשתדל לקצר כי יש איחור וגם הפסקה וכו', אבל הנקודה היא חשובה, הייתה לי שאלה ואני מוותר עליה, גם היא חשובה אבל אני אוותר עליה. מה שרציתי לציין ולהעלות, מדברים כאן על 80 שנה לשחרור טוניסיה, ו... ב-1939, ב-3 בספטמבר 1939, עזב את ארץ ישראל אדם שהיה מבחירי ההנהגה הציונית, שהיה סגן אלוף בצבא הבריטי, והתגייס כאדם בוגר, מבוגר, התגייס לצבא הבריטי מחדש, והיה קצין הנדסה הראשי של הגנרל מונטגומרי, שפיקד על הארמייה השמינית, שנטלה חלק נכבד בשחרור, במערכה על שחרור טוניסיה. אני מעלה אותו, שמו הוא בריגדיר גנרל, תת-אלוף בצה"ל, פרדריק הרמן קיש, סבו של שר החינוך הנוכחי. והוא יום לפני קריסה מוחלטת של הצבא הגרמני בחזית של אזור, נקרא לזה קו מרף, אני לא אפרט עכשיו, מצפון למדנין וממערב לגאבס, הכינו את הקרקע להסתערות סופית מול הצבא הגרמני, ושם עם שלושה קצינים נוספים התפוצץ מוקש בגובה, זה טייל נקרא מוקש ממעיד, בגובה מטר, כל ארבעת הקצינים נהרגו יום לפני קריסת הצבא הגרמני. אז זה המקום להזכיר את האיש הזה, בריגדיר גנרל קיש, שבא מארץ ישראל לטוניסיה ונפל שם. תודה רבה.